à tous et à toutes. Oui, une petite réalisation en quelques minutes. Oui, c'est possible. Suivez-moi. Vous l'avez tous remarqué, les semaines claires, malheureusement, marquent très vite. Et c'est pas très joli. Pour remédier à ça, c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'une paire de semelles de la taille de votre chaussure et un morceau de tissu 100% coton. À la partie la plus large, tracez une ligne et reportez la même distance pour les deux semelles. Sur l'envers du tissu, placez un point et tracez tout autour. De ce tracé, vous allez rajouter 3 mm tout autour. Coupez en laissant de la marge tout autour. Tracez une ligne droite, placez vos semelles, laissez 5 cm en haut et en bas et coupez. Coupez sur la ligne . Faites un ourlet de 1 cm, donc pliez une fois, une deuxième fois et piquez. Et faites la même chose pour les autres pièces. Positionnez vos morceaux en droit apparent. Chevauchez cette pièce sur celle-ci sur 2 cm. Faites la même chose de l'autre côté. Épinglez, repositionnez. Marquez cette ligne par un cran des deux côtés. Placez ce cran exactement ici, au milieu. Épinglez, mettre bien à plat et piquez sur cette ligne. Faites tout le tour et finalisez par un point d'arrêt. Coupez tout autour en laissant 3 mm du tissu. Vous aurez ce résultat. Retournez la pièce sur l'endroit. Bien ressortir le talon et le devant. Donnez un coup de fer bien chaud. Placez vos semelles à l'intérieur. Voilà, votre semelle est prête. Vous allez avoir une belle finition et tout simplement les introduire dans la chaussure adéquate. Une façon rapide et facile d'avoir toujours des semelles bien propres. Je vous conseille d'en faire plusieurs et de différentes couleurs. Et grâce à cette ouverture, vous pourrez les changer sans problème. Et surtout, l'avantage, c'est que vous pourrez les laver. Une réalisation, bien sûr, que vous pourrez faire aussi bien pour vos baskets ou toute autre chaussure. Il ne vous faudra pas de grand-chose. Une paire de semelles et un morceau du tissu. Vous avez aimé ce tutoriel? Alors partagez-le. Et voilà, vous l'avez fait. Vous avez vu que c'était possible. En tout cas, moi je vous dis bravo. En attendant, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!